Bonjour YouTube. Nouvelle VOD de Réunion. Mon micro, enfin mon pied de micro est à l'agonie, mais on est là quoi. Mon pied de micro est à l'agonie. Je sais même pas quel save j'ai. C'est superbe. C'est superbe. La dernière fois, Amphinobi a fait un joli sweep. Hein, du coup, il a gagné sa place dans la team à la place de Porygon Z, qui était vraiment nulos. Et voilà. Et voilà. Bien sûr. Du coup, on va aller dans l'ultra brèche. On reste attentif au mouvement suspect. Tu dois être le célèbre raid dont tout le monde parle. 36 euros la photo du pied de micro, évidemment. Évidemment. Mélanie, ça m'a prévenu de ton arrivée. Est-ce que tu es prêt? Nous allons te laisser emprunter l'ultra brèche. Il faut que tu saches que tu ne pourras plus revenir ici jusqu'à ce que tu aies trouvé la brèche là où tu te trouveras. Est-ce que tu viens préparer? Oui. Bon courage, nouveau membre de la D-Squad. Ah, d'ailleurs, c'est tout? Ok. Vous sentez l'espace se déchirer devant vos yeux. Oh. Stylé. C'est stylé. Tout simplement. C'est stylé. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Eh, hey, mais attends, comment c'est possible que quelqu'un d'autre que nous se trouve ici? T'es venu en sous-marin ou quoi? Fur. Bon, ça y est, le voile horreur. Non, non, non. Par contre, vous pensez qu'il y a gradure, vous? Il est fier de son fur. Vous pensez que vous faire voir aussi? Je réfléchis, hein, je vous tiens au jus, quoi. One shot, hein, bien sûr, c'est faux. Oh les dégâts nuls. Par contre, le mise de Zricano fait plaisir. Nosferalte. Du coup, c'est pour ça que sa version préférée de Poké, c'est Rosa. Oui, c'est exactement, ouais, c'est ça. Hein. Exactement pour ça, Soap, t'as tout compris. Rrr, mais comment? Mais c'est possible que tu puisses arriver ici sans sous-marin adéquat. Mais du coup, le Pokémon se soigne ou pas? Heureusement que j'ai des rappels, hein. Ils sont où? Ah, oui, ok, mais c'est pas la bonne. Pas la bonne. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bah, en fait, Rosa, c'est une chanson de gravure, tout simplement. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça, tu le sais déjà, de toute façon. Qu'est-ce que... Attends, t'es arrivé comme par magie ici ou bien t'es champion de plongée sous-marine? Caravane. Une la merde. Hein. Le caravane, le problème c'est que j'ai pas du tout le match-up quoi. Disons-le très clairement.
Vraiment vous, j'ai jamais vu plus ma vie. Hein. Mais c'est pas moi, mec. C'est Soap qui a dit ça en premier. C'est sérieux. Putain, je me fais accuser alors que moi j'ai rien fait, quoi. C'est pas moi qui l'ai sorti, hein, la vanne du Rosa. Ça accuse donc les potes. C'est pas mon pote, hein. Par contre, hein. Je sais pas ce que vous racontez, mais c'est pas mon pote, hein. J'ai bu la tasse. Et dire que nous on a galéré à voler un sous-marin pour venir ici. Je m'excuse YouTube, hein. Je m'excuse. Pardon YouTube. Pardon. Pardon YouTube. Ah, mais tu fais quoi ici? Tu crois que je vais te les servir jusqu'à notre chef? Jamais, allez, Oust. Vous avez vu, on affronte Kyogre? Joe qui a perdu son badge VIP. De toute façon, vous savez que le badge VIP de Joe, c'est limite un running gag maintenant. Il est pas censé l'avoir, hein. Mais il l'a quand même. C'est comme un délire, quoi. Qui l'a mis Modo, bordel? Je sais pas. C'est un sacré connard, ça je peux vous l'affirmer. Envie de rejoindre Papa Johnny. Le gros tas de morve, lol quoi, hein. Mais je vais la pleurer, c'est sûr. Mais vous avez vu les dégâts de merde que je fais malgré la synergie? Vraiment un Pokémon extraordinaire en Finobi, hein. Oh oui. Un petit drocanon, c'est bon. Hein. Voilà, hop. Hein? Non, mais c'est trop. C'est trop grave là. Ah mais non, mais les lunettes noires augmentaient les dégâts de vibre obscur, donc du coup, hydrocanon, forcément ça tuait pas. D'accord. Oui, c'est vrai que Rotamor a une bonne défense P, ouais. Je l'admets. Sauvegarder dans D, ça met. Hein. Moi, j'ai lu sauvegarder dans le dictateur des D, hein, bien sûr. Bien sûr. Rotomor a même une bonne défense SP. Je sais pas quel est le pire entre toi et ton pote, hein, mais bon. Ah, une intrusion, aucun problème, je vais m'occuper de toi et choper ma promotion. Bon, il y en a combien des dresseurs là? Ah, c'est vrai, hein. Ouais, c'est bien, t'as 3 Pokémon, c'est bien. C'est pas mon pote. Ah, pardon. Je pensais. C'est la soirée des jeux de mots par ici, donc. Ah, tu sais, c'est souvent le cas, hein, mais. C'est souvent le cas, hein.
Il fait mal votre pote, hein. Oh, mais c'est nul, hein. Calinerie, je suis mort. C'est Dedge. J'ai vu King DDD dans High School. Finalement, vous aussi, hein. Finalement, vous aussi, vous êtes pas mal dans votre genre, hein. Si je puis me permettre. Et dire que j'allais avoir une promotion. T'es vraiment pas arrangeant, toi. Vous avez mélangé ? Mélange de charisme, non, c'est ça ? Black Hydro. Les détenteurs légitimes des plaques peuvent maîtriser leur pouvoir et adopter de nombreuses formes. Grande perle. Ça sent la sauce, cette histoire, non? Vraiment, votre pote ce soir, il est vraiment en train de se lâcher, hein, c'est impressionnant. Hein. Un dresseur dans cet endroit. Je suis assez surpris comment tu as réussi à nous suivre. Je suppose que tu dois être un envoyé du Capitaine Poop, ça ne fait aucun doute. De toute façon, ça n'a aucune importance. Je touche enfin au but. J'ai devant toi le Pokémon ancestral, Jinomi Kyogre. Et rien n'empêchera de le réveiller pour contrôler son merveilleux pouvoir. Bah là, il a l'air d'être réveillé, hein, il bouge. Hein. Même pas mieux dans ton genre. Si tu comptes m'arrêter, je suis curieux de voir comment tu comptes y prendre. Je n'ai pas de plus de temps à t'accorder que ça, alors je vais rapidement te mettre hors état de nuire avant de poursuivre mon plan. Je ne laisserai pas un seul gosse se mettre au travers de mon chemin. Bon, déjà, je vais le freeze, hein, pour commencer. Je vais vite regarder cette histoire. Et j'ai, comme par hasard, raté. Ogivre. Oh non, mais c'est trop... C'est moi. Impudence. Mais c'est pas grave parce que... Je suis sur Gentile, maintenant que Kyogre est devant moi, je vais pouvoir détruire ce monde corrompu, alors écarte-toi, gamin. Non mais, regardez. One shot.
Non, non. Non, mais le freeze, il m'a bien baisé. Là. Spoilers. Bah, Grayena, pas Amphinobi qui va le gérer, quoi. Ouais, presque au moment où tu changes de save, je crois que c'est ton dernier combat avec cette team. Ah ouais. Je ne serais pas un sale gauche se mettre en travers dans mon chemin. J'ai entendu Mr. Freeze l'a bien baisé. Ouais, si vous voulez. Kalinerie, bah je suis du poison. Hein. L'attaque qui baisse, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Grayena est touché par le poison. Mais en vrai, que tu utilises ta guérison sur Grayena, moi ça me va. Hein. Ça me dérange pas outre mesure. Hein. Pas mal du tout, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Acrobat, c'est chiant. Acrobat, c'est chiant. Rapace. Au moins, il se prend des dégâts. C'est cool pour ça. Subit des dégâts de recul. Ok, vas-y. Normalement, t'en tiens un autre, hein. On croit. En plus, je suis plaque glace, non? Ah, bah, c'est nul. Trop facile. C'est tout? Ha ha ha! Et tu oses te dresser devant. Ah ok. Le problème, c'est que Pikachu, c'est one shot par Poison Croix, donc bon. J'ai entendu ce jour si longtemps et maintenant que Kyogre est devant moi. On l'a vu ça. Hein. Ouais. Ah, mais je suis sûr qu'il le tient, Dracogriffe. Ouais, j'en étais sûr. Oh là là. Pikachu, il tient pas Poison Croix, mec. Hein. Donc, qu'est-ce que Dracolos a pris déjà? Ah, c'est Pikachu le Let's Go celui-là? Ah, j'avais pas l'info par contre. Ah, c'est Pikachu le Let's Go. Non. Oh. C'est vrai qu'il est rapide comme ça en fait. Oh non, pas lui. Pitié. Exploforce, Grotan Morve. Mais il apprend pas Exploforce, Grotan Morve, normalement. The fuck. The fuck, bruh. Oh, les dégâts! Les dégâts sont nuls! Oh oui! Comme ça, il arrive, il se prend la vampire graine dans son cul là! Oh ouais! Vous imaginez, mais il évolue là? J'aurais bien tué jusqu'ici, mais c'est fini, ouais, j'étais sûr.
admire plutôt. Méga évolution. Ah, du coup, je meurs de crogivre, je pense. Ouais. Oh, ok, il est con, il est très con. Il est très con, votre pote. Il est très très con. Merci à tous. Il renvoie Grotan Morve. Le réveil de Kyogre est proche, alors finissons-en. Allez, one shot s'il te plaît. Enfin, one shot. Mais c'est vraiment nul, hein. Grotan Morve prend Exploforce et Lec. Putain, ouais. J'ai pas l'info. Kémorse. Il reste quoi derrière? Cringe, hein. Un peu cringe, hein. Que j'ai derrière. Hein. Espérons qu'ils tiennent un laser glace, mais Grêle, oh, ok, c'est bon. C'est bon. Saved. Bien joué à toi, dresseur, mais il est déjà trop tard. Je dois admettre que tu es fort, c'est une fois qu'à doute. Cependant, j'ai avec moi la gemme bleue. Tu sais ce que ça signifie? Ah ah ah, oui, même si tu m'as vaincu, il est déjà trop tard. Elle va me permettre de réveiller et de contrôler les Kyogres. Les Kyogres, ils bougent depuis tout à l'heure. Hein. Il signifie normalement que... voilà. Arthur! C'est rare, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air s'inquiète? Il s'agit juste de ce dresseur, Ça n'a rien à voir, Arthur. Je vais te recevoir un appel du centre météo. Là où je vais commencer tes recherches au sujet de Kyogre. J'ai toujours de recevoir les résultats des calculs que je vais laisser tourner. Et alors quoi? Où veux-tu en venir? Arthur, ce monde dont nous rêvons tant. Kyogre sera incapable de nous l'offrir. Sa force dépasse toutes nos attentes. Si tu le réveilles, Owen n'y survivra pas. Nous allons tous finir engloutis. Qu'est-ce qui te prend, Sarah? Tu te rends compte des sacrifices que nous avons fait, que nous avons dû faire pour en arriver jusque-là? Ne dis pas que tu as pris peur à cause de simples calculs, ne sois pas naïve. Grâce à cette gemme, Kyogre m'obéira au doigt et à l'œil. Et s'il doit détruire Owen, qu'ils en sont ainsi. Je ne vais certainement pas reculer maintenant. Arthur, ne fais pas ça! Kyogre, je t'ordonne de te réveiller. Détruis ce monde corrompu et assieds le règne de la Team Aqua. Ah 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 ah. Ah oui, oui. Le plan est une réussite, tu as vu ça? La force ancienne de Kyogre, elle va détruire son monde infect. Arthur, tu... Ici Arthur, que se passe-t-il, Mathieu? Ah oui, Kyogre est libre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hein? Une pluie torrentielle? Des siphons géants dans l'océan? Toute la ville d'Oen est sous les eaux? Eh bien, c'est le but. Comment ça, plus que prévu? J'arrive tout de suite, tiens-moi au courant. Dresseur Sarah, venez constater par vous-même l'état de mon nouveau monde. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais prévenu, Arthur. Et tu n'as pas voulu m'écouter. Tout est fini, maintenant. Je... crois pas. Kyogre n'était pas censé détenir une telle puissance. Il est hors de contrôle, à présent. C'est une catastrophe. Effectivement, c'est une catastrophe. Tu es... Pierre Rochard, maître d'Aigle de Owen, on s'est déjà croisé. Plusieurs fois mis des bâtons dans les roues de votre petite équipe. Mais cette fois, vous avez dépassé les bornes, Team Aqua. Soyez témoin de vos erreurs, maintenant. Dites-moi comment vous comptez arranger ça. J'ai hâte de savoir quel était votre plan, si les choses tournaient mal. Vous se mettez en route et essayez de raisonner Kyogre, c'est notre seule chance. Vous enchaînez les actions irréfléchies, on dirait. Je pense pas que quelqu'un puisse arrêter un tel Pokémon, même avec la gemme que nous avez dérobée. Je pense que vous devriez simplement tout arrêter. Vous en avez assez fait, tous autant que vous êtes. Comment oses-tu nous parler sous ce ton? Tu sais qui je suis? Le chef de l'illustre Team Aqua. Je vais te prouver que je suis capable de contrôler Kyogre. Il se pliera à ma volonté. Sarah, allons-y. Je m'attendais pas trop à notre dresseur ici. Enchanté, je m'appelle Pierre Rochard. Comme je le disais tout à l'heure, je suis le maître de la Ligue de la Région. Et toi, tu es... Red. Ok, Red, c'est noté.
Je suppose que c'est toi qui as réussi à battre Arthur. Hein. Mais peut-être, je pense qu'il a passé un sale quart d'heure. Sinon, il m'aurait déjà attaqué avec ses Pokémon. Alors, je peux te faire confiance. Dis-moi, Red, je sais que l'on vient de se rencontrer, mais... Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Je pense pas que je serais suffisant pour résoudre cette affaire. Le sort de la région de Hoenn est entre les mains de tous les dresseurs disponibles. Alors, je me permets de te demander ce service. Vu ton regard, j'ai l'impression que tu es d'accord. Bien. Laisse-moi te briefer la situation un instant. Il y a bien longtemps, à Hoenn, deux Pokémon ancestraux entrèrent dans un combat féroce, détruisant les montagnes et découpant les océans. Ces deux Pokémon étaient surchargés d'énergie naturelle qui leur permettait alors de décupler leur puissance. Et c'est à cause de l'énergie de la gemme qu'Arthur a utilisée pour réveiller Kyogre. Ce dernier est à nouveau en possession de ses anciens pouvoirs. Le deuxième Pokémon qui faisait face à Kyogre se nomme Groudon. Pourtant, à Kyogre, son rôle était d'étendre les continents. Un combat sans fin s'est alors engagé entre les deux titans. Heureusement, le troisième Pokémon avait fait son apparition afin de séparer les deux titans, les plongeant dans un long sommeil. Le problème, c'est que le second Pokémon risque aussi de s'éveiller. Voilà pourquoi il faut se dépêcher de neutraliser Kyogre. Oui, Marc. Comment? Je serais inexpliqué dans le nord d'Oen. J'en ai sûr. Quoi, Groudon? Tu es sûr? D'accord, on se retrouve à Talanopolis. Ramène autant de renforts que tu peux. La situation ne peut pas être pire. Je viens d'informer que Groudon s'était réveillé lui aussi. L'énergie naturelle située dans la croûte. Terrestre est entrée en résonance avec celle des fonds marins provoqués par Kyogre. Lui aussi a regagné toutes ses forces. Il faut absolument neutraliser ces deux Pokémon avant qu'ils n'entrent en contact. On a l'impression qu'ils se dirigent eux deux vers Talanopolis. Il faut absolument qu'on y aille. Tu es prêt? Je te laisse emprunter mon nervure pour t'y rendre. Je planerai grâce à mon métallos. Quel homme. Allons-y. Ouais. Ok. Bon, on va visiter la ville, hein, histoire d'avoir... Ah, c'est fermé. Tout est fermé, c'est ça? Ils sont là. Hein. Le mystère du sommeil, l'histoire. Stop. Que non. On continue un peu. Ok. J'ai peur de sortir dehors. Quelle pluie, je suis venu me réfugier ici. Oh, il s'en bat les couilles, lui, visiblement. Ils vendent des rappels max, hein. C'est un délire, quand même. C'est fermé. C'est fermé. Bon, si je vais au nord, il se passe rien, j'imagine. Bon, il y aura que Pierre sans marque devant l'arène, tu pourras switch je save. Ok. Vous avez vu YouTube, on nous sommes bien organisés. Hein. Taker. C'est fermé. Ok. Te voilà, Red. Je présente Marc, champion de l'arène de Talanopolis. Enchanté, Red. Eh bien, voilà les dernières infos. J'ai contacté tout le monde, Pierre. Ils sont prêts, on décolle quand tu le sens. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Nous allons former trois groupes. Le premier groupe, qui sera composé de tous les champions d'arène, aura pour but de ralentir la progression de Groudon. Ils s'avancent lentement mais sûrement vers nous, et je pense que 7 dresseurs performants ne seront pas de trop. 8. Mon mentor Juan sera de la partie. Parfait. Ce groupe sera composé des conseillers 4 ainsi que de toi, Marc. J'irai ralentir Kyogre. Et toi, étant expert des types O, tu n'auras aucune difficulté avec les combats aquatiques. D'accord, et le troisième groupe? Il s'agira de Red et moi. Ils auront pillé CS là où est censé se reposer le troisième Pokémon ancestral. Il faut absolument le réveiller pour qu'il puisse, comme dans la légende, séparer ces deux titans. Comment? Vous deux seulement? Vous comptez vouloir de PC seul? Totalement stupide. On demande l'idée de douter de ta force, Red, mais... Marc, du calme. Fais-moi confiance. Je sais que nous deux peut y arriver. De toute façon, nous n'avons pas d'autre solution. Le temps presse, on n'a pas le temps de douter maintenant.
Je suis certain que Red nous sera très utile, n'est-ce pas? Très bien, je vous suis dans ce cas. De toute façon, quoi que je dise, avec toi, c'est inutile. Tu es tellement têtu. Ah, il ne changera jamais. Il va falloir qu'il commence à assurer ses arrières. Encore un peu. Je compte bien lui céder ma place de maître très bientôt. Enfin bref. On peut y aller, Red. Du coup, c'est là que je switch de save, j'imagine. Hein. J'imagine que c'est là. Hein. Dis non, ouais. Très bien, prépare-toi bien, on ne sait pas ce qui nous attend. Et là, je switch. Hein? Ah, c'est bon, c'est, là, c'est le bon dialogue, du coup. D'ailleurs, YouTube, c'est le moment où... Ah, je peux y aller, là? Là, je peux garder ces saves, là, du coup. Ah, je dois encore faire le pilier. Ah, d'accord. Ok. Excusez-moi, YouTube. Hein, fausse alerte. Très bien, accroche-toi bien, on est parti. Désolation, le chenal 131. Ça, c'est quand même un plaisir de ne pas avoir faire, ces chenaux de mort nous-mêmes. Hein. Nous y voilà. C'est le pilier céleste qui se trouve en face de nous. J'espère que tu n'as pas le vertige. Bien, allez, allons-y. Pilier céleste, rez-de-chaussée. En vrai, je vais peut-être utiliser les combats pour entraîner en Finobi. De toute façon, j'en ai rien à foutre parce que la save, je la change après. Donc c'est vrai que quelque part, bon, le OZEF est complet. Hein. Bon, j'espère que tous les objets, tu les as ramassés du coup, hein, JB, dans ta save. Être original comprendra une partie de ses pouvoirs dans une pierre qu'il enfuit dans le sol. Oui, les plaques, t'inquiète, elles sont toutes dans le sac. Et quelques heures aussi, hein, qu'on trouve là. Voilà. C'est important. Hein? Et y a pas d'étage? Ah oui, voilà. Oui. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. C'est un langage inconnu. J'ai jamais eu le droit d'accéder à cet endroit de base. C'est interdit du public depuis des années et des années. J'ai l'impression que le poids de l'histoire m'écrase rien qu'en me tenant ici. Il suffit de monter un étage pour avoir l'impression d'en escalader une dizaine. Tu as vu la hauteur que l'on prend à chaque fois? Peinture. A l'air de représenter quelque chose. On doit continuer d'avancer pour essayer d'en savoir plus. On dirait le symbole de la méga évolution. Est-ce qu'il existe un lien entre ce lieu et la méga évolution? Cette peinture. Est-ce qu'elle représenterait le combat entre Kyogre et Groudon? Tout cela est très étrange. Je me rappelle de ce que m'avait raconté ce couple. Ou mon Memoria. Autrefois, il y a un ancien peuple de la région de Hoenn qui gardait cet endroit. On l'appelait le peuple du météore. Il semblait assez hostile vis-à-vis des gens venant de l'extérieur. Il semblait vénérer Rayquaza, d'après ce qu'on m'a raconté. Nous ne sommes plus très loin. Je sens le vent souffler très fort, mais c'est bizarre. Reste sur tes gardes, Red. J'ai un mauvais pressentiment en croisant mon expérience. Ok, c'est le même dialogue. Hôtel du dragon. Qui êtes-vous? Et où se trouve le Pokémon ancestral? J'ai bien peur que vous n'arriviez trop tard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous devez sûrement parler de Rayquaza. Disons qu'il ne fait plus partie de cet univers. Qu'est-ce que tout ça signifie? Je n'y comprends plus rien.
Allez-vous affronter Rayquaza? C'est pas ridicule. Bien que je dispose d'une puissance considérable, je ne suis pas assez fou pour m'attaquer à une créature de ce calibre. Je vais juste envoyer dans un monde où il pourra tranquillement déchaîner sa colère. Une autre dimension? Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends plus rien. Vous voulez dire qu'il existe d'autres dimensions? Vous êtes perspicace, cher maître. Je vous conseille de garder cette information pour vous. Ce serait idiot de votre part de semer la panique dans votre belle région. Même si dans quelques heures, je pense que cette dernière sera à la merci des deux autres créatures de légende. Vous n'avez tout de même pas agi de la sorte pour contrecarrer notre plan de sauver la région. Eh bien, cher maître, le dernier prend le dessus? Vous pouvez passer votre perspicacité légendaire. Red, pousse-toi. Je vais m'occuper de lui, tout est de sa faute. Laisse-le-moi, c'est mon devoir en tant que maître. Métalos. Inutile de vous emporter, cher maître. Vous n'avez aucune chance. Vous devriez plutôt garder vos forces pour stopper les deux créatures qui menacent votre magnifique région. Assez, ça suffit. Métalos pour Météor. Inutile. Métalos? En un seul coup? Ne l'avais-je pas dit, cher maître? Il est inutile de se battre ici. Surtout dans un lieu considéré comme sacré par les ancêtres de votre région. Ceci dit, je peux tout de même exaucer votre souhait et vous permettre de passer votre colère sur quelqu'un d'autre. David. Maître. Occupe-toi de ces deux-là. Lorsque tu en auras fini avec eux, ne traîne pas trop ici. Cette région risque d'être le terrain de jeu de deux monstres surpuissants. Cher maître, ce fut un plaisir. Dresseur, Red, c'est cela? On m'a déjà rapporté de ces agissements. Voilà qui devrait y mettre un terme définitivement. De ce, permettez-moi de me retirer. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Je n'ai d'ailleurs rien contre vous. Pour être honnête, je ne suis pas spécialement pour les combats. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me demandez-vous? C'est évident. Parce que c'est la volonté de mettre Spectra. C'est la meuf de la Lix. Spectra. Voilà tout. Mais vous voir dans cet état me fait beaucoup de peine. Je refuse de vous abandonner à votre sort. Moi, David, je m'engage alors à mettre un terme à votre souffrance. Permettez. Red, attention! Mais pourquoi il a parlé de Spectra? Admin Team Chronos. Ah mais ça c'est la team qu'on a vue au Paradis Heather déjà. Au Saturn. Dalola. Le problème c'est qu'en Finobi, si one shot pas au Saturn... Je suis navré, mais votre chemin s'arrête ici, je peux vous accorder une dernière volonté. Pourquoi c'est si en Finobi il ne flinche pas là au Saturn, on est OS. Hein. Normalement. Je ne crains contre vous, mais je ne dois vous arrêter, permettez donc. Bonsoir, Georges. Baston, ouais. Vous ne gagnez rien si c'est la défaite de vos partenaires, à l'abandonner. Dommage quand Finobi n'est pas one-shot l'ossature. Hein. Peut-être à plus 1, je l'aurais tué. En vrai, j'aurais dû utiliser les super bonbons, j'ai été con. Parce que, de toute façon, je vais changer de save après, donc j'ai aucun intérêt à garder les super bonbons. Bon, en vrai, je vais faire ça. Non, je vais faire ça. On se quitte, enfin, on se retrouve juste après YouTube. Je vais me refaire tous les dialogues, du coup. A tout de suite. Sur YouTube. Bon, cette fois-ci, Amphinobi devrait OS au Saturn, je pense. Je jure que le son d'Amphinobi est incre. Vous savez, hein, le dialogue d'avant parlait de déni, hein, JB. Hein. Vous êtes un petit peu dans le déni, je crois. Hein. Là que tu passes à croire dans une... Tout est écrit? Mais c'est parfait, du coup, je le one-shot à plus un an. Oh non! Bon, oh, feu follet, ça va.
Juste avec Sasha Nobby, mais j'ai compris, hein. Mais bon, ça a changé, c'est plus Sasha Nobby là. Ok, il a que des petits spectres en fait, lui. Ça m'arrange, hein. Quoi? Mais sérieux? C'est une blague, hein. Ah, dans la première version du jeu, c'était Sasha Nobby. Ah ouais, c'est triste un peu. Comment ça c'est Spectra? Le jeu existait avant la 9G, donc Synergie c'était pas nul. Oui, oui. Tu peux saluer ton acharnement dans ce combat, mais je vais devoir t'arrêter maintenant. OMG. Oh, l'animation de Dracomethor est bien gaze, hein. Ah ok. Ah mais Spectra c'est passé de la ligue alors. Ah ok ok. Je meurs je pense. Oui même pas. T'as Lansorien il est en train de... Il est en train d'être battu par Florizarre quoi. C'est vrai que ça aurait été la confusion. Bah ouais, en vrai, vu qu'on est dans Pokémon, pas spécialement on doit avoir pensé à Spectra du Conseil 4, quoi. J'ai pas précisé. Malheureusement, ton attaque est insuffisante, je te le répète, abandonne. Bah, t'es mort, mec, donc tu me racontes. C'est donc ce qu'on appelle une défaite, quand bien même ce combat était intéressant. Tu as du courage, dresseur. Et beaucoup de force. Et ton nom? Red, c'est ça? Fort bien, Red. Je vais me retirer. J'espère que tu seras de taille face à la menace future. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Ce sont des adieux. Hein? Red! Toi bien? J'ai plus de réussir à t'en sortir, à ce que je vois. Je suis désolé de m'être emporté de la sorte devant toi. J'en ai perdu mes moyens et me voilà sur le banc de touche. Je voudrais éviter que ce type soit occupé par ton combat pour soigner mon métallos pour que l'on puisse retourner à Talanopolis. Allez, dépêchons-nous. Je suis heal ou pas, hein? Non. Et là, je change de save, c'est ça? J'imagine. Parle pour revoir. J'ai pu récupérer? Bien. Voilà ce qu'on va faire. On va aller prêter ma forte aux deux groupes de façon simultanée. Le groupe le plus proche s'avère être le groupe de bas qui s'occupe de Kyogre, non loin d'ici, sur le chemin 127. Nous allons les rejoindre et nous en occuper. C'est bon pour toi, Reda? Ouais, c'est ça, go, ok. Ok. Bon, YouTube, on va faire une petite pause là et on se reprend juste après. A tout de suite, tout le monde, à tout de suite. Et re-YouTube. Bon, du coup, la team a un poil changé. Hein. Enfin, en fait, il y a un Pokémon en plus.
Mais sinon, la team a changé parce que Tortank a désormais Exuviation. Dracolos a Danse Draco. Florizard n'a pas changé. Ronflex. Voilà. Donc, plus qu'il y reste, quoi, en fait. Très clairement. Dracofeu à l'orbe vie. Même si. Les attaques sont pareilles. Et voilà, y a là, ça c'est le truc de la team, c'est Cizayox. Bien sûr. C'est Cizayox, le vrai Cizayox, bien sûr. Et ça, ça fait plaisir. Bien sûr. Et du coup, on va aider. D'ailleurs, on va tester Cizayox. Hein. Du coup, Pikachu a sauté. Et Amphinobi aussi, parce que bon, Tortank Exuviation. Et on me dit dans le chat, c'est bien. Moi, je trouve que même sur le normal, c'est un peu flébard, mais bon, bref. C'est bon pour toi, on peut partir. Par contre, sur la méga, c'est complètement pété. Hein. Tiens. On voit que dalle, en fait. Vraiment, la lisibilité ici, elle est vraiment au top. Hein. Je vois rien, hein. Je vois littéralement que dalle. Hein. C'est à cause de mon PC que je vois rien en fait. Hein. C'est mon écran quoi. Sur cet écran-là, je vois mieux. Quand même. Voilà. Terrible. Ouais, c'est mon PC, ouais. Enfin, c'est mon écran plutôt. Voilà, vous deux. Alors, dites-moi que vous avez pu réveiller Rayquaza. Qu'est-ce que c'est que ce visage que tu tires, Pierre? Alors, crache le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Nous avons échoué. Du moins. J'ai échoué. Pas raid. J'ai perdu lamentablement et je m'en veux. Et maintenant, j'ai l'impression que rien ne pourra nous sauver de ces deux Pokémon. Je suis incapable de protéger ma région. J'avais raison de vouloir te céder ma place de maître. Pierre, vraiment. T'as remis les idées en place, c'est bon. Tu parles comme un enfant alors que tes amis sont en train de mettre leur vie en péril pour notre région. C'est notre devoir à tous, pas seulement à toi, de protéger Owen. Arrête de croire que tu as la responsabilité de protéger Owen seul. C'est faux. Tu n'as pas à porter toute cette pression seul. Maintenant, tu vas te relever et nous aider à affronter Kyogre. Marc, Red, je... Oui, vous avez raison. J'ai eu cesse de m'inquiéter pour vous, alors qu'au final, vous êtes aussi fort que moi, même plus. Allons-y. Ensemble, on peut vaincre Kyogre. Bien parlé. Reste à savoir, il a giflé Pierre avec quoi? Avec Fur, déjà. Bien parlé, je vais assurer vos arrières. Ah, c'est Kyogre Mega. C'est Kyogre Primo. Je crois qu'Arthur ne veut pas nous laisser agir pour le moment. Voyons ce qui se passe. Je suis désolé pour ça, Red. Je vais te montrer de quoi le maître de Rajundan est capable. Kyogre, tu veux nous écouter? Kyogre, t'ordonne d'arrêter ce massacre. Attendez, excusez-moi, je vais juste mettre mon chat ici comme ça. Et... Ouais, c'est mieux comme ça, c'est mieux. S'il faut que je t'affronte pour cela, je ne ferai preuve d'aucune retenue. Je suis ton maître, je suis celui qui t'a réveillé. Alors obéis-moi, dépêchons. Il va attaquer, attention. Kyogre, tu vas obéir, je te... Arthur, non! Est-ce que... Ils se sont fait en un seul coup par Kyogre. Cette femme a voulu s'interposer pour sauver son leader, mais ça ne servit à rien. Du calme, Marc. Ne te laisse pas avoir par la crainte. On va y arriver, pas vrai, Red? Dépêchons-nous, avant qu'il ne lance une attaque surprise. On couvre tes arrières, Red. Pour la venue d'Owen, ensemble. Oh, c'est stylé.
Alors le problème, c'est pas Cisayox qui va faire quelque chose là. Spoilers, hein. Hein? Ah ouh! Ça va reset fort, hein, monsieur. Ah oui, ça fait mal, donc. Ok, 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 hein, ok, ok. C'est bien. Ah mais j'ai... Putain, faut se retaper ce dialogue de ce dialogue à la con, là. Ok. Ah c'est dur hein, c'est dur d'être dur de se faire déconcer hein. Il est plus rapide que moi déjà. Bon, ça c'est logique, tu me diras. Comment ça n'affecte pas? Attendez, mais non, mais au moins l'empoisonner ou pas? Bon, les cerglas, je pense que je meurs hein, du coup. Non. Dis non, non. Mais c'est un malade ce Pokémon. Ah mais j'ai oublié ce détail, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché au jeu que... Je me souvenais pas que les boss on les drainait pas. Mais attends, il a Fatal Foudre. Il a Fatal Foudre, donc du coup c'est nul. Non ça il fait pouvoir antique, c'est bon. Du coup on est d'accord, je dépasse ça, plus 2. Ouais. Et là c'est full flinch et je gagne comme ça, c'est ça non? Ah ouais, ça fait... C'est bien Tortank Exuviation, c'est vrai, hein. Comment je méga? Comme ça, si tu fais Dark Pulse. Bah, Hydrocanon, ça aurait pas fait beaucoup plus, hein. Ah, j'ai pas le méga anneau. Ah, oui, d'accord. Donc, en gros, si je comprends le message, je peux aller me faire foutre, quoi. Non, mais c'est de la merde, hein, ce boss, hein. Non mais Pikachu, il l'aurait pas dépassé, je crois. Sympa le coup critique, en tout cas. Ça fait zizir, hein.
Onde originelle, je pense pas que je le tienne. Hein. Spoilers, je le tiens pas, mais malgré... Ah si, je le tiens. Est-ce que je soigne Ronflex? En vrai, il y a un monde. Hein. Il a été beaucoup nerf pour devenir ce que t'affrontes. Pourquoi... Vas-y, raconte-moi avant un peu. Attends. Qu'est-ce qu'il me reste derrière? Et Dracolos, il y a Laser Glass, quoi. Donc, autant te dire que... Bof, quoi. Non, mais Ronflex, faut le soigner, quoi. Il n'y a pas le choix. Hein. En vrai, si j'ai pas onde originelle, techniquement... Il est encore plus busted, j'irai minimum plus 2 partout niveau 100. Là, il est plus 1 partout, je pense. Le youtubeur chauve. Je veux pas de problème, moi. Arrêtez vos conneries, là. Et puis ouais, c'est un gros SC quoi. Le mec a la plus grosse calvasse de l'univers et il ose dire youtubeur chauve quoi. C'est quand même un délire quoi. Mais bien sûr que c'est plus 1, à mon avis, c'est plus que plus 1. Aïe. Du coup, je le tue pas, c'est ça? Okay. C'est quand même écrit, il commence à pleuvoir. Hein. Alors que l'arène s'est arrêtée, mais c'est pas grave. Hein. On a fait plus que plus 1. Même avant. Hein. Je pense que c'était à plus 2, on est bien. On a réussi à repousser Kyogre. On sait que ça suffira à le pousser à retourner dans son sommeil. Pour ça, il faut s'assurer que Groudon soit aussi, lui aussi neutralisé. Vous dépêchez et rejoins les autres champions. Pierre, je vais me diriger vers Pacificville et Kred. Toi, tu restes ici au cas où Kyogre tenterait de revenir. Entendu, faites attention à vous. Très bien, Red, je vous souhaite des Pokémon avant toute chose. Allons-y, en route vers Pacificville. Oh, la musique. Ah, la raclée qu'on s'est pris. Faut vite l'arrêter sinon. C'est pas possible, balayer comme ça sans pouvoir rien faire. Prends garde à toi, il est surpuissant. On doit admettre notre faiblesse, j'espère que Max saura s'en charger. Dresseur, qui tu sois, tu ne feras sans doute pas le poids contre lui. Y'a que le maître ou Marc qui puisse lutter. Aïe 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 aïe. Il a plein chlorophylle lui non? Ah mais Groudon en vrai y a pas grand chose qui peut l'arrêter je pense hein. Encore une fois c'est pas Scizor qui va faire quelque chose hein. J'essaie de l'affronter seul mais il a réussi à vaincre toute mon équipe. J'ai l'impression que les sas de type O ne lui font aucun effet, sans deck. Il ne reste plus que toi maintenant. Vas-y, donne tout. Je compte sur toi. Si jamais la nanette accroche, ce qui est sûrement le cas, je suis dans la merde. Hein.
Et il a ça. J'ai une guérison ou pas? Ouais. Vas-y, fais ça, c'est bien. Eh, mais à +2, il me dépasse encore. C'est-à-dire qu'il est minimum à... Ouais, il doit avoir +2 partout, en fait. Il a +2 partout, en fait. C'est un délire. Par contre, s'il me reburn après m'avoir heal... Team Bird, c'est la veine de l'univers, hein, je vous jure. Juste Dragonnet qui est turbulent. Non mais, j'ai fait 2 2D et il me dépassait encore. Donc, à mon avis, il a +2. Parce que Tortank, après une exuviation, il dépassait pas, je crois. Regarde. Oh, la nullité. Oh, la nullité, la nullité. Eh, il avait l'âme de rock depuis le début. Ah bah, grand bien lui en face de ne pas l'avoir fait avant. Hein. Merci, hein. Par contre... Laser glace, quoi. J'ai que laser glace, hein. Ça tuera même pas, en fait. Casse-brique. Oh, les dégâts nuls. Et puis il lave. Il est aussi autant boost que Kyog, donc je pense que Danny est juste trop lent. Je pense qu'il a plus de partout, hein, pour toutes les fenêtres. Hein. Rodon et Kyog. Hein. Je pense que les deux sont à plus de partout. Hein. Ils se prennent vraiment trop peu de dégâts en fait. Hein. On l'a fait. Rodon a rebroussé chemin. Il se donne à vue d'œil, regarde. Je fais un combat à temps, c'est assez épuisant pour mes Pokémon, mais... Nous y sommes arrivés. Et tout ça, c'est grâce à toi, Red. Rentrons vite à Talanopolis. Fier de nous y attendre. Je m'occuperai de nettoyer cet endroit avec lui plus tard. Pour le moment, il faut se reposer. Plus trop dans cette région, en plus l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On voit vraiment de tout quand on est dans cette ville. Si tu savais ce que j'ai vécu ici, tu me croirais pas. Ah bah en fait, tout est fermé là? Ah oui, d'accord. En fait... La petite trèfle. Je vais reparler aux gens au cas où... Ma soeur, je t'ai mal jugé, je souhaite m'excuser profondément. Je suis me surprendre et je suis définitivement certain que tu iras avant dans ta carrière. Si un jour nos chemins se rencontrent, j'aimerais beaucoup livrer un combat contre toi. Grâce à toi, Tatiana n'est pas blessée, je t'en remercie. Un jour, si tu veux passer à Algacia pour livrer un combat d'Aranjo, fais-nous signe. Un géant. Ah bah tiens, Spectra. Eh bien, tout le monde, en fait. Merci, jeune homme. Mmh. Stylé, stylé, stylé.
Jean Galazet, vu que ce stade, il y a la fleur de fouette. Hein? Ah bah oui. Mais c'est pour... C'est pour Pokémon Légende Zelda, bien sûr. Hein. C'est cool, hein. C'est trèfle, quoi. Tout le mode chouettant, je mets un 5,8 sur 10. Ah oui. J'ai la ref, hein, mais... Et ouais, ils vendent des guérisons ici, hein. J'en prends, hein. Ouais. Il pleut plus, mais je préfère rester ici. J'ai trop chaud maintenant, je préfère la fraîcheur de la boutique. Bon. On va aller parler à Pierre et Marc. Et on va stopper après. Bon, cette vidéo est déjà très très longue, mais bon, je trouve que ça vaut le coup de faire. C'est l'histoire aide. Vous êtes complètement fou, n'est-ce pas? On a eu la chance d'affronter cette créature légendaire, mais on a aussi eu la chance d'avoir un dresseur d'exception de nos côtés. Au nom de toute l'argent de Owen, je te remercie sincèrement. Ton aide nous aura été précieuse. Eh bien, ce serait plutôt à lui que tu devrais laisser la place de maître. En tout cas, Raed. Petit cadeau pour toi. Vu que j'ai bien compris que tu n'avais pas l'air de provenir de la région, je te fais cadeau d'un des trois Pokémon de départ d'Owen. Pour la forme évoluée. Vas-y donc. Yes, merci, merci pour l'héritage, bien sûr. Brasegali, si la turbo, c'est fine. Hein. C'est un peu nul. Soit perdre, c'est la type sol, en vrai. Hein. Ça, s'il me donne la méga gemme derrière, par contre... Ah, j'hésite entre Brasegali et la Grogne, putain. Sceptile. Bien sûr. L'art est mieux. Je sais pas ce que c'est l'art, mec. C'est pas dans les propositions, en tout cas. Brasegali ou Lagron? J'aurais dû prendre Lagron, hein. C'était mieux, mais bon... Je me dis, si jamais il y a méga Blaziken, un jour ça pourrait être stupide, quoi. Et voilà, c'est pas... Ah! Alors, ça, par contre, c'est bien. Lagron était mieux, non? Ouais, je sais que Lagron est mieux, mais bon, méga Brasegali, c'est. Voilà, c'est ça, c'est la passion, t'as tout compris. Non, mais par contre, John Coaster, c'était mort. Quoi qu'il en soit, Raed, merci du fond du cœur de nous aider à protéger ce qu'on avait de plus cher au monde. Notre région, aux habitants, nos Pokémon, et pour ça, j'aimerais te remettre quelque chose. Pour que tu possèdes ce Pokémon, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on te laisse, Raed. On a du pain sur la planche avec Marc. Il faut tout remettre en ordre, parce que Fifi, il est complètement saccagé. On se reverra, j'en suis sûr. Ça ne fait aucun doute. J'ai l'impression de me battre à tes côtés, Raed. Pourquoi ne viendrais-tu pas défier la Ligue Pokémon de Owen un de ces jours? Ah, je ne sais pas si je suis toujours en charge à ce moment. Et qu'importe, mais encore merci, Raed. Prends soin de toi. C'est vrai, j'ai une ultra brèche, je ne devrais pas être très loin. Où est-elle? Elle est là. Ok, on va s'arrêter là, du coup. On prendra l'ultra brèche la prochaine fois. Je vais juste voir le Blaziken rapidement. Bon, sa nature, on s'en fout un peu, du coup. Parce qu'on a les aromates désormais, mais... Mais...
Mais voilà quoi. C'est les IV, hein, s'il a des IV, des bons IV quoi. Une 70, ça c'est nul. Ouais, j'ai vu le stade d'Orma que tu m'as fait, merci. Malin, bon, on s'en fout du coup. Ah ouais, les IV sont un peu craignos, hein. On va le reset, hein. On va le reset, YouTube. En off. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette VOD, en tout cas. Et si c'est le cas, pensez au pouce bleu, bien sûr, c'est très important. Hein ? Ah oui, d'accord, la musique s'est arrêtée, elle a recommencé. Et du coup, j'espère que ça vous a plu, cette VOD YouTube. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires si vous avez quelque chose à dire. Et on se retrouve, du coup, la prochaine fois pour la suite. Du coup, pour refaire les codes à l'Azurin, j'en ai fait qu'un. Ok, mais faudra que tu me les renvoies, je me souviens plus, par contre. Mais ouais, ça marche. Sur ce... Bye tout le monde, ciao.